Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Warhammer 40 000 Inquisitor. Et on s'était laissé juste en finissant le chapitre 2, on va attaquer le chapitre 3, et c'est vrai qu'il y a un des PNJ du vaisseau dont je vous ai pas parlé, j'ai remarqué ça entre les deux épisodes, c'est lui. Et tout simplement, en fait, il permet de lancer des missions prioritaires. Les missions prioritaires, ce sont des mini-campagnes générées procéduralement qui permettent de gagner bien pas mal de points de gloire, un petit peu d'XP. Bref, si vous voulez faire une pause dans la campagne ou que vous avez fini la campagne, vous voulez eh bien, générer des petites quêtes pour XP votre personnage, vous pouvez lui parler. Vous avez des quêtes disponibles. C'est toujours sympa hein, comme petite idée. Voilà, mais c'est pas tout, nous on continue tout de suite. Donc chapitre 3. Le martyr. Hop. Retourné au martyr. Avec l'aide du tarot du Ter, cette ancienne et mystérieuse relique du passé, j'ai réussi à retrouver le martyr. Mon objectif principal est de trouver Lord Inquisitor Klosterneim, et cette fois, je n'ai pas l'intention de perdre une autre péniche de débarquement. On est reparti dans le martyr. Mais pour l'instant, on peut pas utiliser le tarot du Ter, j'aimerais bien vous le montrer. Je m'étais arrêté à peu près là avec mon personnage quand j'avais commencé le jeu à l'époque. Requesting immediate status update, Inquisitor. The turrets didn't open fire this time. Your binary litany has worked. Obviously. My calculations predicted a remarkable 91.43% chance of your survival. I'm rather pleased you didn't mention this before. Now you will need to access the teleport beacon network. Wait, I have incoming hostiles. I'll take care of this first. At your command. Ok, donc j'ai des gens. Mais je sais plus comment si. Maintenir F pour les mettre là en position de défense, ok. Die, maggots! Die! Voilà, ils sont bien tous en position de défense. Hop. J'ai pris quoi là? Déploiement de champ de mine, ok. Et donc mon nouveau sort, oui, que je vous avais pas montré la dernière fois, ça fait ça. Bim, voilà. Un petit caillou qui part. Bénédiction. Vitesse de déplacement à votre personnage, oui, d'accord, c'est pas fou. On va utiliser ça. Bon, normalement, j'ai pas besoin d'eux pour défendre. Je peux même aller les chercher plus loin. Pas de problème. On a deux vagues à tenir. Donc on va prendre ça. Là, on met un petit caillou. Il met un petit moment à partir le caillou, c'est le problème. Et je peux en mettre assez souvent. Après, il part dans la direction du. Voilà. D'où je regardais. Ok, c'est la fin de la vague 1. Ça va, on a géré facilement. Allez, on voit la vague 2. Ouais, quoi qu'il y a peut-être des trucs à aller chercher. Oui. Tourelle, bien évidemment. On va se mettre une petite tourelle là. On va se mettre une petite tourelle là-bas. Hop, on va laisser passer personne. Comment ça, il y a des trucs qui sont passés? Je suis pas d'accord. On laisse passer personne, on a dit. Hop, on va claquer ça. On va claquer un caillou. Faut que je fasse gaffe à ma surchauffe. L'éclair est bien à courte portée, le caillou me permet d'aller un peu plus loin, donc tout va bien. Je vais carrément les chercher au point d'apparition. Je les intercepte. Voilà, comme ça tout le monde a survécu. Bon, c'est pas forcément utile.
Ah, lui par contre, un petit peu plus compliqué. Voilà, allez, mourez. C'est parfait. J'aurais pu rester vers les tourelles. Oh. Captain, I've cleared the area, but the rest of the hangar is still crawling with mutants. I can't leave the transport here undefended. Do you want me to order it back? Not yet. I might need it in case the tech priest's plan doesn't work out. I'll purge the area first. Ouais, purgeons les zones, ça j'approuve. Puis ça a rien de compliqué de faire ça. Bon, c'est un peu long par contre. J'aurais pu me fabriquer un nouvel inoculateur aussi, faudra que j'y pense. Maintenant que je suis passé niveau 20, l'inoculateur peut avoir 4 modifieurs, et seulement pour les nouveaux inoculateurs du coup. Pas ceux que j'ai déjà. Donc il faut que je pense à en faire un. This is Lord Inquisitor Clusterheim speaking. I trust that you can hear me, but my current circumstances are not ideal for transmissions. I don't know who you are. I don't even know what you look like, so don't take this personally. But you were an Inquisitor, that much I gathered from the snippets of your Vox signal on the Inquisitorial channels. I must command you to leave the Martyr immediately. You have stumbled upon an investigation that has been sanctioned by the Caligari Conclave, and which might have a huge impact on Holy Terra. Your presence here might lead to unnecessary complications. Leave now, and may the Emperor be with you. Comment il essaie de nous virer du vaisseau, lui, là? Ça va pas se passer comme ça, hein. Je fais que ce que je veux, d'abord. Je fouille. D'ailleurs, là, c'est des ennemis que j'ai même pas nettoyés. Ça se trouve, c'est la suite. Pas grave, on a dit, on fouille. Les missions principales, on les fouille. Les missions secondaires, je les fouille pas. Pas souvent. Oh là là, ce peuple. Après, on va pas se plaindre, ça fait plaisir d'avoir un slash où il y a vraiment tout un paquet d'ennemis à dézinguer. Allez, meurs, toi. On surchauffe bientôt. Il y a quelque chose là où ça sert vraiment à rien. C'est un peu long comme zone. Ah. I am humbled by your dedication, and I admire your decision. Inquisitor, what happened? A flash of things to come, or a memory of things that never happened. The Martyr is clearly the nexus of the seething tides of the warp, which might affect a sensitive mind. With all due respect, you should return to the ship. Such powerful visions are gifts from the God Emperor. It can't be related to this festering blight on the Martyr. Allow me to interrupt, Inquisitor. You simply cannot know that. However, I am an expert on toxins and plagues. It is time you properly utilize my capabilities. I will examine you the moment you return. Ok, tout va bien. Je deviens fou. Dodge this. Clairement, ça a l'air d'être un peu la suite ici, hein. Ceci, c'est juste le petit recoin annexe, j'ai quand même beaucoup fouillé. C'est pas grave, au pire ça sera fait et j'aurai plus qu'à rush tout le reste du niveau. Donc on va se tuer tout ça. Puis on reviendra sur nos pas.
Mais même pas un coffre, hein. Toujours pas, toujours rien. Ils sont vraiment radins. Oh là là, elle était tellement immense cette zone. Le pire, ça fait de l'XP de tuer des gens. Donc on va pas se plaindre. Peut-être à accélérer un peu, voilà. Alors toi déjà tu me vises pas, je te permets pas. Il y a des choses à trouver par là. Quand on est reparti sur un pont... C'est exactement le même pont que ce qu'on vient de vider il y a 2 secondes. Oh là ce peuple. Ma mini-carte elle est toute rouge. J'arrive, j'arrive. Faut pas s'impatienter. Un coffre. Un coffre. Poussez-vous. Pour l'empereur. C'est l'empereur, il m'a dit loot. Il m'a dit loot tout ce qu'il y a dans les coffres. Voilà. La merde. Mais un coffre. Pas grave. Mince, on laisse des vivants. Quelle idée. Voilà, pendant qu'on se permet de faire des petits succès. Oh, il y a un petit bug là, graphique. Je suis lié à quelque chose là qui traîne là. Mon personnage, ça fait un fil un peu dégueulasse. Quelle zone? À mon avis, ça, c'est la fin de la zone. La vision, je suis pas sûr que j'étais censé l'avoir tout de suite dès le début. C'est pas grave. Après, on aura qu'à sortir l'épée et courir partout. Ça marche aussi comme méthode. Ça me semblerait logique que ce soit la fin là. Ah, ça continue par là pourtant. Un boss. Ouais, on arrive. Allez, baisse ta surchauffe. On va se mettre un petit peu de boost. Voilà, on va peut-être se mettre comme ça on peut vider toutes les tourelles là. Allez, on va tuer le boss. Un coffre derrière, voilà. Vous voyez, on râle et c'est bon, ça passe. Il y a plein de trucs. En espérant que celui-ci soit mieux. Râlons un petit coup. T'as intérêt d'être mieux, toi. Moi, il y a plus d'objets. Je te l'accorde. Du coup, là, on peut revenir sur nos pas. Tra, j'ai plus que 2 inoculateurs. Juste, je gâche. Je gâche, je gâche. J'arrive, voilà. Bougez pas, mourrez. J'arrive aussi, un coffre encore. Si c'est pas merveilleux tout ça. Je vous l'avais dit, il faut prendre le temps de fouiller. Allez, toi t'es encore mieux que le précédent. Ouais, alors non, t'étais beaucoup plus nul. Même pas un petit objet violet, voire rouge, petit objet relique là, s'il vous plaît. Ce serait sympa.
Il nous restait vraiment pas grand monde à tuer. Hop là. Comment ça une alarme? Je suis pas d'accord. Voilà, pas d'alarme. Hop, on va repasser sur notre piou-piou-piou. Il tire un peu lentement, peut-être. Ouais, mais les bâtons, c'est quand même plus pratique, puisque ça me laisse 3 sorts. Et c'est sur les sorts que j'utilise principalement des grosses AOE. Ouais, non. Oh, un petit boss. Et un coffre encore. Non, mais voyez, râlons. Râlons encore plus. Oula. Là, j'ai peut-être un peu trop... un peu trop poussé. J'étais en surchauffe. Le boss, on devrait peut-être se le faire. Il y a deux tourelles derrière. On va se faire la tourelle. Voilà, il reste que toi. Inquisitor, you can proceed with your priority assignment. According to my analysis, you have eliminated 78.65% of the local hostile forces. The automatic defenses of your transport can easily handle the rest if needed. So you had an idea about the teleport beacons? Correct. You need to find a functioning cogitator and access the teleport beacon map of the deck. Your chances of thoroughly exploring a fortress monastery this size are minuscule. You need to be able to avoid traveling long distances on foot. Ah, je vous l'avais dit. C'était la fin là-bas. Et je vous avais dit, on passera en épée et on rushera. Voilà. I found the cogitator. What now? Listen to me carefully. Chant with me the sacred numeric key and type in the sequence. You'll gain access to the locations of all teleport beacons on this deck. Et voilà, mission accomplie. Bonne chose de faite. Oh, t'es pas beau, toi. Niveau 21. Et on a encore débloqué des trucs. Pistolet à graviton. Le nom a l'air cool. Composant d'inoculateur, restaure 15% de résistance à la répression max par seconde pendant 5 secondes. Pouvoir psychique débloqué, tir divin pendant 30 secondes. Le premier tir sur chaque cible inflige 100% de dégâts en plus et un point passif. Et arbre de compétences débloqué. Ok. Ah, ça on dit pas non. Pouf, ça je ferai le tri plus tard. Alors ici, regardez, on a enfin attrapé un objet où il y a des créneaux. Les fameux créneaux dont on nous parlait lors du craft qui permettent de mettre des gemmes, en fait c'est une sorte de chasse dans les autres jeux. I have the map of the local teleport beacon network. What now? The teleportarium requires exact coordinates. You must know Lord Clusterheim's location, and your chances to find him on the Marta on your own are approximately zero. This sounds very reassuring so far. The analytical recitations show only one swift solution. I must warn you that the suggestion itself could be a breach of several Adeptus Mechanicus protocols. You must seek an audience with the great presence controlling the sensory systems on the Marta. You need to talk to the machine spirit. How? I'm not familiar with the process. First you locate a mainframe cogitator. Then I will provide instructions. Ok, faut aller discuter avec le vaisseau. Non, ce plan ne semble pas foireux. You have the results of my physical checkup. Do you know what could have caused that strange episode? Let me be very clear. Even a genius like me can't work miracles with inferior equipment like what you have on this ship. Still, your test results don't indicate that you suffer from any maladies that could have caused your symptoms.
I have detected some interesting anomalies, though. What are you talking about? Very precise microscopic surgical marks on your brain. Traces of an old mind-cleansing process. I'm an Inquisitor. We carry the burden of terrible truths and secrets that sometimes even we are not allowed to keep for long. Of course I've been mind-scrubbed before. And I'm certain that I should praise the Emperor that I was freed from dangerous memories. Could that be the cause of the symptoms? Normally, no. But you have only recently been experimenting with a unique psychic artifact. There is no data about this Uther's tarot. Fact, you risked using the deck, and now you have had an extraordinary psychic experience. I admit, it's a strange coincidence. Ok, bon. Du coup, on lui a effacé la mémoire, hein. C'est fun. Super métier. Bah hop. Continuons dans notre très cher vaisseau. Bah non, tu m'as pas mis du tout où qu'il fallait. Tu m'as mis sur les trucs secondaires là. Je suis pas d'accord, moi. Cogitateur Nousphère. Mon technoprêtre Omicron Arc est inflexible. Je dois trouver un cogitateur spécial pour contacter directement l'esprit machine du martyr. Cela pourrait être mon seul moyen de localiser Klosterneim sur ce navire colossal. J'ai remarqué une excitation inhabituelle derrière les caractéristiques mécaniques sans âme d'Omicron. Il est clairement intrigué par les anomalies. Commençons. Attends, il est content de nous faire faire des conneries. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense pas. Tech Priest, I want you to go over my mission details again. Acknowledged. You need to find Lord Klosterheim, but you lack the data on his whereabouts. Consequently, the most logical solution is to find the authority with the actual knowledge. Conclusion. You must seek an audience with the powerful machine spirit of the martyr. How shall I do that? I'm not a tech priest. Correct. I'll guide you through the necessary administrator login litanies. First, you need to find a special terminal. A new sphere cogitator. Should I know what that is? This information is irrelevant for you at the moment. The closest terminal is located on Deck B, Umbra 11. Not far from your location. Praise the Omnissiah. Ok, je dois trouver un machin. À peu près. Allons chercher ce machin. Et en notre temps, on massacre bien sûr tout ce qui traîne. Oh là là, ce peuple. Et moi. Voilà, mais vous êtes combien ici? Je suis en train de péter tout le décor. Et de mourir aussi. Oh là 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 là, mais calmez-vous là. Ok, on peut avancer. Tech Priest, what shall I do when I find the mainframe cogitated? Place 7 incense sticks around the terminal, cleanse your soul of harmful emotional subroutines, recite the litany of mainframe access. You are aware that I can't perform any, right? Noted. I suggest that you open up the screen and enter your inquisitorial all-access codes. Pourquoi il nous dit pas ça dès le début d'utiliser les codes d'accès? Aïe aïe aïe. Je pensais que c'était à gauche, mais ça passe pas à gauche. Je lance un petit caillou. Aïe 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 aïe. Level up. Ça, ça fait toujours plaisir. Mais l'autre qui me canarde là derrière, meurs toi déjà.
Ok, du matos, et on l'utilise pas. Je crois qu'on pourrait éventuellement en voir pour réutiliser certains trucs maintenant qu'on a débloqué énormément de grenades. You wanted to talk to me, Inquisitor? I need more information, Klosterheim. I'm very close now to him, but I'm still in the dark about his obsession with the Martyr. You used to be part of his retinue. What's he looking for? An ancient secret, that's all I know. But you are mistaken. By the way, it's not only his obsession. There are others like him. Inquisitors dedicating their lives to seeking the legend of Uther Tiberius. Like a group of specialists? I'd rather call them a secret sect. Before he rose through the ranks, he used to serve under a Lord Inquisitor who was similarly obsessed with the hunt for the Martyr. It must have rubbed off on him, you know. Turned him into a fanatic. Vous voyez qu'on a le temps de lire les indications pendant qu'on se fait défoncer avec les packs de 50 mobs qui débarquent, là? Ah non, mais oh. J'ai pas le temps, hein. Oula, 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 oula. On fait des conneries, là. Ça me tire dessus là-bas, les apôtres. Vous allez tous mourir, voilà, déjà. Parce que moi aussi, je vais mourir. Alors, mourons tous ensemble, ça sera plus joyeux. Ok, c'est bon, j'arrive à régénérer un peu. Tram, ce peuple. Aïe 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 aïe, mais il y a encore des monstres par là. Je suis en train de me faire mal tout seul, ma répression est au niveau le plus bas. Et du coup j'ai été dépassé, donc j'ai été jeté à terre. Oh mais arrêtez! N'en jetez plus! C'est lui là qui me saoule, il invoque des trucs. Meurs. Voilà. Non mais. Ah bah lui il avait du violet au moins. Aïe aïe aïe. Ouh, j'ai bien cru qu'on allait y passer sur celui-là. Ah parfait, il y a des soins juste après, parce que j'ai plus de soins là, j'ai tout, tu sais. These Nurgle outgrowths again. This area needs to be clean. En plus des petites excroissances de Nurgle, c'est génial. Si tu fais ça très vite. Sans mourir, ça serait bien parce que j'ai plus de soins. Ok, les soins étaient dans l'autre pièce. Il va falloir qu'on aille les chercher. À mon avis, par là, c'est la suite. Des mines explosives, voilà, bien évidemment. Voilà, on fait un peu de ménage. Oh là là, cette mission. À faire demi-tour et aller chercher le soin. Quoi, il en reste un encore là-bas? Petite mine. On va aller chercher la recharge de soins, clairement. Ce que j'ai mangé. Bon, je sais que normalement on devrait arrêter l'épisode, mais je me suis lancé dans une nouvelle mission, on va quand même pas se planter en plein milieu. J'ai bien fait, c'était un cul-de-sac. Bon, je me suis rechargé 4 utilisations. C'est déjà ça. Faut que je détruise les trucs de Nurgle au passage.
Donc là, le prochain à gauche. Un piège là-bas. Mais c'est là que je vais... C'est là que je vais tirer. Pourquoi tu me cibles ça en boucle? Bah voilà, tant pis. C'était pas ça que je voulais viser, mais bon. T'avais pas envie. Mais alors, je veux tuer tes tourelles derrière, merci. Pestiféré, tu te pousses. You are guilty. Donc j'ai dit à gauche, si possible. Bah parfait, ça bifurque. Comment je peux le péter ça? Je sais plus. Est-ce que je peux passer les crânes sans déclencher le piège? Oui. Voilà, il suffisait d'attaquer. Inquisitor, I was thinking about our previous conversation. And I remembered something. Something useful, I hope. It's more like a rumor, to be honest. But you might want to know that Klosterheim's superior, the Lord Inquisitor I mentioned, was apprehended and killed by the Grey Knights. The Grey Knights? What did he do? I have no idea, but it must have been something serious to earn that kind of attention. And it would explain why his adept turned out the way he is. Even if he was found innocent that time. Don't jump to conclusions just yet, Sergeant. The Inquisition moves in mysterious ways, Thorn. It's never just light or dark. You should already know that. Oui, clairement, il est ni tout blanc ni tout noir, hein. On est d'accord. Ok, ça c'est fait, c'est géré. La suite a l'air forcément tout droit. Je vais aller voir ici. Et il y a un coffre, j'ai bien fait. Level up, on les enchaîne. Enfin, c'est pas pour me déplaire. Au moins, mon perso devient puissant assez vite. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait un boost d'XP. Ils ont peut-être raccourci le temps d'XP dans les premiers niveaux. Hop, 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 hop. Ça, c'est moi qui ai fait le con, là. For the Emperor, so be it then. Cleanse me of my sins. Aïe, 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 aïe. So be it then. Allez, on fait redescendre la chaleur, tout va bien. Ah merde, mini-boss. Je vais me débarrasser de lui très vite. Mais ce peuple. Qu'est-ce que j'ai libéré encore? Aïe aïe aïe. Ah, il y a deux tourelles derrière. Et c'est encore lui qui invoque des trucs. J'ai plus de soins. Je suis bien. Bon, ça va, c'est des lance-flammes. Je peux les détruire sans y aller. Plus de soins, je suis quasi mort. Il y a des monstres qui arrivent. I slay in thy name. Voilà, ça passe. You have reached your destination. Access the terminal and initiate emergency shutdown. Ouais, alors vous avez atteint votre destination. Tu vas me dire que je vais me faire un boss sans soin là? Repent. Parce que je suis pas chaud moi. Honnêtement, je suis moyennement chaud. Déjà, si tu es, ce qu'on peut se tuer sans aggro le boss. J'aurais tellement pas craché sur du soin. Un hôtel maudit encore, il y en a marre. Oh là là, des mines. Oh là là, d'autres mines.
Ok, ça va. Pas bien grave. Oui, c'est pas la peine de mettre une tête de mort au-dessus de la tronche, je sais que je suis en danger grave là. Des munitions, peut-être qu'avec un peu de chance de l'autre côté, il y a du soin. Ça, ma vie remonte un peu. On va espérer. J'ai attiré le boss. Il y a du soin. Rien à foutre. Je vais chercher le soin. Je vais chercher le soin. Donnez-moi le soin. Oh, et vous me gavez là. C'est quoi ce peuple? Ok. C'est bon, j'ai pu boire ma potion. Oh, double coffre derrière. Voilà, on va pouvoir détruire le dernier truc de Nurgle. C'est qu'il y a du monde. I've destroyed all the hives of Nurgle. The whole area has been purged. Voilà, pendant qu'il y a un gros truc dégueulasse. Mais bouge pas, je ramasse les coffres. Et promis, après je m'occupe de toi. Voilà, il reste que toi. Bon. Oups, j'ai libéré une tornade. Tornade qui me gêne un peu, faut bien l'avouer. Aïe. Ça passe. The warp will eat me alive. Ah, bien sûr, j'ai fait spawn un démon. Ça, c'est pas grave. Allez, meurs. Voilà. Bon. Ça s'est passé. Allez, fin de mission. Ah oui, bah je vais pas tout comprendre. Tech Priest, I cannot access this cogitator. My data serfs digested the diagnostic feed and detected some anomalies in the login system. The machine's spirit is protected by custom seals and potent tech wards. And now repeat that in proper high gothic. The local network has been modified, and we can't access it now. But tech litanies revert to their default setup in case of serious power shortage. If you shut down the electric grid on the deck, you have a limited time frame to access the new sphere mainframe with the default codes. So that's my next task then. I'll return to the ship. Et level up encore. Eh ben. Il va falloir couper le courant. Ça aurait été bien d'y penser dès le début de couper le courant en fait. Un épisode un peu long. Mais c'est pas grave, ça fait des bonus. Niveau 22. Type d'élément dégagé, téléporteur personnel. Oh, pas mal. Pouvoir psychique, extermination, invoque une colonne de feu sur l'ennemi le plus proche. La colonne suit sa cible et inflige des dégâts thermiques pendant 5 secondes. Maintenir la touche d'attaque crée une colonne supplémentaire par seconde sur l'ennemi le plus proche, pas encore ciblé par une colonne. Le lanceur subit des dégâts warp instantanément et une surchauffe warp pour chaque colonne supplémentaire. Et un point passif. Champ de force, donc nouvel élément. Champ de force de réfraction. Non, champ de réfraction, pardon. Un passif, 100% de régène PV, 500 PV, mais moins 50% à l'efficacité de l'inoculateur, ouais. Un point de passif. Modif d'inoculateur, du coup, Friend Zone, augmente les chances de coups critiques de 10% et la force des coups critiques de plus 40 pendant 5 secondes.
je bois une potion, je fais max critique, ça pourrait être intéressant. Et plus un point de compétence passive. Et arbre de compétence débloqué. Voilà. Et aptitude débloquée, plus 1% de chance de critique et plus 1 en force de coup critique à chaque fois que vous éliminez un ennemi cumulable 10 fois, donc 10% max. Aptitude débloquée, plus 15 en force de coup critique, mais moins 7% en réduction de dégâts, donc on peut se faire un build full critique. C'est bon ? On peut jouer ? Bon. Et ben voilà, moi je vais aller faire le tri de mon inventaire, peut-être mettre mes points, et puis on enchaînera sur la mission, bien évidemment. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.